La Coupe au président! Voyons! Ça y est! Oh yeah! Cette émission est commanditée par Polaris, Fly Racing et Flexafab. C'est le temps de vous parler du side-by-side de la journée. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être au volant du Polaris RZR Trail S 2022. On va commencer par le look. Évidemment, regardez-moi ça, le look de cette petite bête. Hein? On a des phares au LED à l'avant qui ont une espèce de look agressif. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les RZR. Et justement, on le sait, Polaris ont commencé à introduire beaucoup plus de lumière au LED, que ce soit dans les motoneiges et aussi dans les side-by-side et jusque dans des VTT. On le voit bien, l'ADN de Polaris au niveau des phares en avant. Donc, bel coloris en plus, bleu, blanc, noir. On aime ça, ça fait le travail. On va saisir. Et voilà! Bon, mais parlons maintenant du moteur. Évidemment, c'est un beau moteur qui développe quand même 100 HP. C'est pas rien. On comprend le S du Trail S avec le 100 HP. Et croyez-moi, on ressent chacun des HP du moteur. C'est tellement... ça répond tellement bien. Regardez bien ça. J'arrive ici, tranquillou-bilou. Ça y est, c'est parti! Pour vrai, c'est hallucinant. Que ce soit à bas, moyen ou haut régime, le moteur donne tellement de performance. C'est tellement rapide. C'est presque instantané, la façon qu'il livre sa performance. Et justement, parlons-en de la performance. C'est un beau balance. Il y a vraiment une belle balance entre la performance et le contrôle. Puis ça, pour moi, c'est très important quand on pilote un côte-à-côte. Parce qu'on le sait, hein, ça peut être terrifiant quand on prend une courbe à grande vitesse. Mais celui-ci a quand même une bonne assiette qui est respectable. Donc, quand on tourne les coins, on ne sent pas qu'on va se faire déporter ou qu'on va flipper. Ça m'amène d'ailleurs à parler de la suspension. Comment la suspension fonctionne, Maxime, ce véhicule-là? Ben, je te dirais, Maxime, que c'est une très bonne suspension. Ça répond très bien. On a des amortisseurs Fox de performance en avant, autant qu'en arrière. Et ça, c'est très bien balancé. Là. Regardez, je vais vous montrer, je vais tourner. Yes! On le voit bien travailler. Alors que ce soit dans le sable ou que ce soit dans la roche ou des terrains plus accidentés, vous n'aurez pas de problème avec ça. D'ailleurs, justement, il y a quand même un bon débattement sur le véhicule. Là. Vous ne sentirez pas rien frotter en dessous, ça va. Là. Donc, un bon débattement, on ne se trompe pas. On a une largeur de 60 pouces comme véhicule, ce qui fait qu'il est légal dans les sentiers. Aucun problème au Québec, évidemment. Dans ce cas-ci, ici, on n'a pas la version avec le plus d'accessoires, mais c'est quand même chez Polaris, vous pouvez commander votre côte-à-côte avec autant d'accessoires que vous voulez, que ce soit un toit de plastique, un demi-pare-brise, un treuil en avant. Il n'y a rien d'impossible, finalement, quand vous allez commander votre side-by-side. Les petits points que je trouve un peu décevants dans ce cas-ci, ben, je vous dirais que c'est l'affichage. Hein? Parce que devant moi, j'ai mon affichage, mais regardez bien, quand je mets ma main sur le volant, vous ne voyez pas. Mais moi, je ne vois plus à quelle vitesse je vais. Donc ça, c'est un peu dommage, surtout quand on ajuste. Hein, parce que oui, le volant est ajustable, le bain est ajustable. Mais lorsque j'ajuste mon volant, ben, je ne vois plus à quelle vitesse que je vais. Donc, il faut tout le temps que je bouge un peu la tête comme ça. Sur d'autres modèles dans l'industrie, ben,
quand on bouge le volant, la charge suit et c'est très intelligent. C'est une belle ingéniosité. J'aimerais ça qu'elle soit évidemment ajoutée chez les véhicules de Polaris. Sinon, ben, l'espace est quand même spacieux, je suis très confortable, les bancs sont très confortables aussi. Donc, même si vous avez un plus gros gabarit, vous ne sentirez pas là, vos bras nécessairement frotter dans les portes. Donc ça, c'est très intéressant. Ceci dit, on voit un petit manque de détails à quelques endroits. Je vous dirais que, tu sais, bon, oui, dans l'affichage très de base, mais c'est surtout dans l'intérieur des portes. On voit toute la tubulation de la porte, bref, on voit la tubulation du plastique. Pour moi, c'est comme un peu triste parce que de l'extérieur, regardez ça, tu sais, il est beau, là. Fait que ça serait très intéressant d'avoir le même concept jusqu'à l'intérieur. Mais je peux comprendre, on essaie d'économiser des coûts un peu partout. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va très bien. Alors pour moi, si vous faites des longues randonnées, ça peut être un très bon véhicule à prendre en considération parce qu'il prend les courbes sans problème, il répond très bien et il y a aussi de l'espace de rangement. J'ai un petit coffre en avant de moi au milieu du tableau de bord et j'ai un gros espace quand même cargo à l'arrière. C'est pas une benne là, que tu peux verser du stock, c'est pas un utilitaire, on le sait, Trail S. Le S, c'est pour sport, mais on garde vraiment bien l'ADN des RZR. Donc, ça répond aux besoins. Ça va bien, ça accélère bien, ça freine bien. C'est vraiment un beau petit bijou de côte à côte. Alors, si c'est un côte à côte qui pourrait vous intéresser, pensez au Polaris RZR. Ouh, un peu de boîte. Trail S 2022. Pensez-y, vous m'en reparlerez. Et bien, en passant, si vous avez besoin de plus d'informations, bien, je vous invite à aller consulter le site de Polaris. Et un gros merci à Quatico Sport pour le prêt du Polaris RZR d'aujourd'hui. Yeah! On prend quelques secondes de votre temps pour dire merci à notre commanditaire E-Wall. À chaque année, un club membre de la Fédération québécoise des clubs quad organise le Jamboree d'été FQCQ. Et cette année, c'est le club quad de la Tuque qui recevait les quadistes pour l'événement. Il y a du monde en maudit pour vrai. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a genre 380 inscriptions, plus les bénévoles. Ça fait du monde. C'est une affaire comme 450 quatre roues qui sont à la Tuque. Il y a une espèce de... En ce moment, il y a une espèce de trip. Là. On le voit, le monde a super hâte. Il est même pas 7h du matin. Il y a de l'engouement. Tout le monde a déjeuné au Colisée. Pour vrai, je pense que ça va être une pas pire journée. Il y a quatre circuits. Là, chacun a leur circuit. Ils vont se lancer là-dedans. Je pense que ça devrait être assez pas pire. Paquet de monde, belle température, puis ils nous promettent des belles trails. Fait que, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On se sent fébrile le matin, on a hâte que ça décolle. Je pense qu'on a une super de belle journée. Jacob, bénévole, 12 ans, bam, représente. Ça va, Jacob? Jacob for president! Check bien ça, 2 ans, là, il l'organise. Oh, yob le COVID, quand ça prend de la motivation, je suis là pour taper dans des mains. Bon, ben, ça y est, tous les quads, ben, du moins, de la première gang qui sont partis. Ça veut dire, Maxime, habille-toi, parce que là, pour les rattraper. C'est parti pour le Jamboree d'été 2022. Bravo aux bénévoles, c'est tellement bien organisé qu'on est arrivé avant tout le monde au point de rencontre. Est-ce que vous entendez? Il arrive! Peu importe la boucle que les gens ont pris, ils ont tous l'air d'avoir du fun.
Justement, on va aller parler à une couple de participants. Un peu sportif, là, mais sinon, on a, c'est ça, mais pas trop non plus, juste bien. Non, c'est vraiment, les trails sont parfaits. Les trails sont parfaits, C'est super bon. C'est vraiment bien organisé, par exemple. Ah non, ça va super bien. On a du plaisir. On rencontre du monde, le fun. OK, ciao, bye. OK, bye. À prochaine. Juste assez le blabla, on repart. Aïe, 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 quelle belle journée de quad dans les sentiers de la Tuque. Je pense que c'est le temps d'aller mettre le party dans la place. Chanceux, DJ Max is in the house. Un petit peu d'alcool, puis surtout on dit merci aux commanditaires. Là, 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 là. Hello, me voilà. OK, le premier qui m'amène un 7-Up de 1984. Bonsoir, monsieur. Mais la vague! Le monde est tellement dedans. Mic drop! Merci! Oui! On dit tiens, moi, je vais l'avoir à côté de 18 ans. C'est ça! Donne-moi une chance! Hey, honneur! Namasté! Il y a pas à dire, elle, c'est la préférée. Merci, la tuque. Quel bel événement! Ah ben, c'est l'heure de dire merci à la ville de la Tuque. Je fais du quad podcast! Max, ça sert à rien. On flotte. Ouais. Mais c'est beau. Oui. Bienvenue à la pourvoirie Lac du Moulin. Ici, c'est littéralement une île paradisiaque pour les mordus de nature. Je pourrais vous convaincre avec mes mots, mais je vais laisser les images le faire à ma place. Le beau chien. Ah oh ben voyons, c'est vrai, j'étais encore en narration, moi. Je vous laisse aller. C'est tranquille sur une barge que je rencontre Danny Frigon, le copropriétaire. Danny, c'est magnifique autour d'ici, mais on est où en ce moment? On est à la pouvoirie Lac du Moulin, magnifique territoire de 100 km². On a 32 lacs au total. Une pouvoirie qui a été fondée en 1949. On est au kilomètre 20 de la route forestière 25, donc à seulement 25 km du centre-ville de la Tuque, facilement accessible pour tous. Mais justement, on en parle, mais c'est qui vient ici? Quel genre de gens viennent louer tes chalets? Ça peut être aussi bien des familles qu'un groupe de pêcheurs. La place se veut à vocation beaucoup familiale. On a toutes sortes d'activités pour les familles. On a des jeux aquatiques, on a des randonnées pédestres qui sont possibles. Effectivement, on a la pêche, on a la chasse, on a la villégiature. What? Il y a tout ça à faire ici? Ben, j'ai pas le choix, faut que tout que j'essaye. Washer time! Yeah! Ah ben, on mangera pas de poisson à soir, hein? Voyons. Ah, c'est pas par là. Oui, c'est vrai, c'est par là-bas. Yeehaw! Wait a. Oh, c'est juste 5 km. Calme-toi. Ah, je vous jure qu'il y avait un ours en bas. Vous me rattraperez jamais! Ouais. Hey, ça me va bien, ça!
Hey, définitivement, il y a pas mal d'activités à faire ici. Je pense que je vais laisser Danny continuer. Le concept est assez exclusif, en fait. C'est que tout se passe à partir de l'île. On dit « Vivez l'aventure du moulin ». C'est qu'à chaque jour, on va partir avec notre embarcation. On va se rendre à un des 6 débarcadères qui est autour du lac. Où est-ce qu'il y a un VTT qui nous attend? On embarque sur le VTT, puis on se rend à la pêche sur les lacs secondaires. Ben, c'est des aventures à chaque jour, le matin et le soir. Il y en a pour tous les goûts. Et là, vous avez combien de chalets sur l'île? Puis vous avez, comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a un chalet principal aussi. Oui, il y a l'auberge principale, mais en fait, il n'y a pas de chambre là-dedans. C'est seulement, là, je vous dirais, la salle à manger, le petit pro shop qui est là, un petit salon, venez relaxer. Les gens ont souvent besoin d'Internet. Fait que c'est à l'auberge que ça se passe. Sinon, on a 11 chalets locatifs. Donc, c'est en forfait hébergement chalet. 11 chalets sur l'île, un 12e qui est en construction, là, qui va probablement voir le jour à la fin de la saison. Et là, bon, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces chalets-là? On, parce qu'il faut apporter notre bouffe, j'imagine? On offre les deux plans. En fait, vous avez le choix de venir en plan européen ou en plan américain. Si on vient en plan européen, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur du chalet pour vous faire à manger, poêle, frigidaire, les toasters, etc. C'est des chalets qui sont très bien équipés. On se sent comme à la maison. C'est l'objectif. On s'en va en vacances. On ne veut pas avoir de troubles. Puis, pour les gens, bon, justement, là, qui viennent d'ailleurs, les gens qui viennent de Montréal, qui veulent se dépayser complètement et relaxer, la vue des chalets est quand même épique. C'est comme si on avait tout notre petit lac privé, finalement. Oui, l'orientation des chalets est directement sur le lac. C'est tous des chalets qui sont dans un droit acquis. La pauvreté était fondée en 1949. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les distances minimum par rapport au lac à respecter. Donc, on a des chalets là, qui sont vraiment quasiment les deux pieds dans l'eau. On a le chalet numéro 5, que la cuisine est littéralement au-dessus de l'eau. Quand on est assis sur la galerie, on est assis au-dessus du lac. C'est débile. Oui. OK. Les activités, là, parce que je comprends que c'est aussi familial. On peut venir avec la famille, le chien. Vous acceptez tout, vous autres, là? Oui, vous pouvez venir avec votre chien, ça, il n'y a aucun problème. Il y a des randonnées pédestres qui sont organisées. On peut aller jouer à la plage. Il y a du canot, il y a du kayak. Pendant ce temps-là, papa et son frère peuvent aller à la pêche. Les enfants s'amusent à la plage. On peut emmener toute la famille, ça, il n'y a aucun problème. Les activités sont très variées. Puis la plage est extraordinaire quand il fait chaud. Vous êtes ouvert là, 3 saisons, 2 saisons ou à l'année? On est ouvert à l'année, en fait. L'été, c'est la pourvoirie qui bat son plein avec les activités aventure nature. Puis l'hiver, mais on est relais motoneige. Mais au-delà de ça aussi, à l'automne, on fait la chasse. On a la chasse à l'orignal qui est organisée. On a aussi la chasse au petit gibier là, pendant un petit 2 semaines là, à la fin de la saison. Fait que vous avez vraiment là, un service clé en main pour tout le monde. On vient ici puis on se casse pas la tête. Non, exact. On vous prend en charge dès le stationnement, une équipe qui est là avec vous pour vous aider à transporter les bagages. On fait une petite balade en ponton, on s'en vient à l'île. On vient vous débarquer directement à votre chalet. Les vacances, en fait, commencent au stationnement. Rendu au stationnement, on abandonne même le dernier lien qui nous reste avec la ville. C'est notre voiture. On abandonne ça. Fait que c'est un dépaysement total. Là, en plus, vous vous occupez... Bon, vous avez de l'excellente bouffe, mais en plus, pour les pêcheurs, vous avez des services qui sont inclus en plus. Oui, on a des chambres froides. On offre le service d'éviscération, en fait. Fait que, tu sais, quand je disais tantôt que c'est les vacances jusqu'au bout. Vous touchez même pas aux poissons. C'est nous autres qui s'arrange avec ça. On a des experts qui vont vous faire des filets. On vous prépare les poissons, puis après ça, vous mettez ça dans votre congélateur prêt à manger. Le mangez-vous à notre place? Non! Mais c'est pas loin. Pas loin, exact. T'es propriétaire avec ta femme, c'est ça? Oui, en plein ça. En plein ça, c'est quoi son nom? C'est Karine. Karine, Danny ouais, oui. Et Karine. Danny et Karine, exact. Ça fait une belle équipe quand même. Oui, on est vraiment une belle équipe soudée, moi et ma conjointe, puis on adore ça, en fait. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais on fait ça avec passion, donc on fait ça avec plaisir. C'est pour ça que vous avez pris un peu la relève, finalement. Parce qu'il faut triper sur le monde, puis triper sur les grands espaces. Là. Oui, c'est du service à la clientèle, je vous dirais, à toute la journée, 7 jours par semaine, presque 300 jours par année. Oui, on aime les gens, oui, on aime accueillir les gens, puis on a une certaine fierté à présenter ce site magnifique-là. Fait qu'on l'entretient avec cœur. Bien, ça paraît, puis vous êtes très accueillant, puis mon Dieu que vous êtes patient. On a des demandes de tous bords, de tous côtés. C'est correct. On s'en vient, on a quelqu'un qui s'en occupe. C'est hallucinant, ton équipe est folle. Là. C'est bravo. 5 étoiles pour l'équipe, aucun problème. Et je vais revenir sur la motoneige rapidement. Oui. Comment vous faites? Il n'y a pas de ponton l'hiver, comment ça marche? Là, on bâtit un pont de glace. Pont de glace? Oui, exact. On se bâtit un pont de glace pour pouvoir supporter, premièrement, notre dameuse, pour pouvoir entretenir le sentier. Après ça, les motoneiges, j'ai aucun problème, c'est balisé. Fait qu'on a un petit 6,5 km de sentier privé, en fait, à partir du sentier 73, le sentier de la Fédération. Fait qu'il y a un petit 6,5 km pour s'en venir à l'île. Un sentier qui est magnifique, soit dit en passant. Et là, dernière chose, la bouffe.
parce que c'est pas parce qu'on est sur une île que tu vas manger des sandwichs, hein? Non, moi un petit peu de votre cuisine qui est hallucinante. On a un chef, écoutez, qui a été renommé. Il nous fait de la nourriture hallucinante. On n'est pas au volume. On y va avec des petites pièces. On n'est pas une restauration. On offre le service en salle à manger pour les clients qui sont ici à l'île. Donc, on mise beaucoup sur la qualité. Je te promets que si tu viens manger, ça va être bon dans la bouche. J'aime ça. Hey, un gros merci, Danny. Fait plaisir. Je pensais jamais triper autant sur une pourvoirie. Décidément, c'est l'endroit idéal pour les pêcheurs, les chasseurs et évidemment les quadistes qui viennent en randonnée dans le coin de la Tuque. Pourvoirie Lac du Moulin, tu m'as charmé. Toute l'équipe de Magazine Quad tient à remercier la pourvoirie Lac du Moulin, Segway Power Sports Canada et Can-Am. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Show bye!